l'émission. Bon, il est posé, il ne bougera plus. Hein. Ça, Guy Moreton, il n'y a pas de souci, il va y rester. Allez, Nico Duberlé, il est en tête. Nico Duberlé en tête pour cette dernière qualificative. Il en avait bien besoin. Il lui fallait de gros points. Eh bien, ça va mieux, mais ils avaient des problèmes de points avant hier soir. Ce matin, ça ne marchait pas. Eh bien, ça y est, toute l'équipe de Nico Duberlé fait le nécessaire. Ça y est, c'est reparti, ça marche. La deuxième place, remue de l'année 3. Anthony Lano, et oui, il l'a vu. Il sait que ça existe. Allez, et puis du coup, il est en train de creuser l'écart là-bas, du côté du chrono. Comment ça se passe? C'est lui le plus rapide, il est en 48-24 pour l'instant. Au bout d'un tour, Nico est le plus rapide. Allez, tranquillement, voilà, Nico qui se déconcentre pas. Cette Clio moteur Nissan. Il est intervenu avec beaucoup de professionnalisme pour remettre cette voiture en état. Une voiture magnifique présentée devant vous, mesdames, messieurs. Et pour l'instant, eh bien, ça m'étonnerait qu'en Mure réussisse à remonter en Ruelle de Lodé. À la peine un peu avec Anthony Lanoé là-bas. Ah, ouais, il va rouler petit bras, mais c'est clair qu'il va rouler en fonction de la finale qui va se préparer d'ici quelques instants. Notre ami Romain. Trop petit bras, Daniel, trop petit bras. Ah oui, du coup, là, ça c'est mal. Ça c'est mal, lui, à le monter. Bon, allez, ça va aller mieux. Emmanuel Nougarel face à Francis Blanchet. Et Francis, allez. Pour sa dernière sortie, cette voiture, Mathieu Serge Noël, avait fait un podium à Saint-Julien il y a 2 ans. Et elle a le potentiel. Le dernier tour pour Nico Duberlé. Tranquillement, Nico, hein, je crois que là. Qui continue tranquillement. Il assure bien le coup. Où est-ce qu'on en est avec l'eau? Voilà, il est toujours devant Francis Blanchet, Emmanuel Nougarel. Emmanuel par l'intérieur à la corde. Attention, ça va se toucher. Eh oui, obligé de céder là pour Emmanuel Nougarel.